Ça y est, c'est le jour J. On est arrivé au Portugal. Venez voir la voiture qu'on a louée. La petite galère que j'ai eue ce matin. Ah bon, avec impatience. Franchement, ce gars-là, il est trop talentueux. Après 45 minutes de trajet, on est enfin arrivé à Vale Buseros. C'est le calme avant la tempête, comme Chichi de Paris dit. C'est exactement ça. Franchement, j'ai l'impression d'être à Cotonou. Je ne sais pas si c'est à Comé ou dans quelle région, mais regardez le décor. Là, c'est le parking. Les œufs tout court, même pas les œufs brouillés, omelette, œufs au plat, tout ça, c'est... j'adore trop. Et là, en fait, les œufs brouillés qu'ils nous ont fait ce matin, franchement, j'ai bien aimé. Avec mon petit toast, pain, beurre, œufs brouillés, mon petit jus d'orange, petit café, bacon. Je suis aux anges là. Franchement, ce séjour-là, il me fait énormément de bien. Et là, c'est vraiment une pause que j'ai fait en copine. Regardez, on est vraiment connecté avec la nature, loin du bruit de la ville, des voitures et tout ça. Et c'est vraiment agréable, vraiment reposant. C'est vraiment un moment pour se ressourcer. Donc essayez de le faire de temps en temps dans l'année pour vous reconnecter avec vous-même, vous retrouver avec vous-même. Quittez votre environnement de tous les jours là et évadez-vous. Là, je suis venue me poser à la piscine. Les filles sont dans la chambre. Elles vont venir me rejoindre tout à l'heure. Donc on va passer un petit moment à la piscine. Et ensuite on ira à Albufeira. Parce qu'on a un tour de catamaran à faire cet après-midi. Avec nos amis avec lesquels on a mangé hier midi. Parce qu'eux ils sont toujours à Faro. Donc on se rejoint aujourd'hui. Ensuite on va dîner ensemble ce soir. Et on va se séparer pour se retrouver demain à Portimao. C'est la vie que j'ai. Ça c'est en haut là où on a mangé ce matin. Avec la belle vue là comme ça. C'est vraiment très très beau. C'est la séance shooting. We are doing a little bit of a shooting photo, okay? Bon, voici mon petit look du jour. Un petit haut couleur crème avec le short qui va avec. Et des petites sandales comme d'habitude que j'ai eu sur Shein. Ça, je crois, c'est Stradivarius. Et puis les claquettes, bon, je crois, c'est Bershka. Hein. Voilà. Tu as les quelque part? Yes, ma. Votre carrosse est prêt. Merci, madame. Franchement, il y a
des paysages de malades et on profite à fond. Regardez, je vous fais partager ça. C'est vraiment magnifique. Regardez, on est toute seule ici. On est toute seule, il n'y a personne, il n'y a que nous. On s'est garé juste là. Ça fait du bien de marcher, de se ressourcer. Mais Dieu, il est merveilleux. Tu vois la nature, sa création et tout. On a officiellement quitté Valle Fuseros et on est arrivé à Albufeira. Et pour vous donner mon avis, Albufeira, moi je pense que c'est une ville un peu plus dynamique, qui bouge beaucoup plus que Faro et Valle Fuseros. Parce que là déjà on est rentré, on a vu qu'il y avait énormément de monde. Oh là là, regardez le paysage. C'est trop trop beau. On a récupéré nos tickets et là en fait on doit attendre là pour embarquer. Au moins on est à l'ombre parce qu'il fait trop trop chaud. Ça y est, là on est installé dans le bateau. Coucou. Coucou les jaloux. Salut les jaloux. Coucou. Je suis dans mon jacuzzi, t'es dans ta jalousie. Vers le resto. Nous sommes bien arrivés à Portimao, la ville où se déroule le festival Afro Nation. On a posé nos valises à l'hôtel et direction le restaurant pour manger un petit bout. Yep, okay.
Le soir, on est allé récupérer nos bracelets et le lendemain, c'était déjà le début du festival. C'était trop bien. J'ai rencontré beaucoup d'influenceurs que je suis, dont Kevin Aubin, un youtubeur ivoirien que j'aime beaucoup, et la youtubeuse française Ambre. Il y avait quasiment tous mes meilleurs artistes réunis. Asake, Aya Nakamura. Et le clou du spectacle, c'était Davido qui a clôturé le festival le dernier jour avec son dernier son Unavailable. J'étais trop contente, c'était magnifique. C'est vraiment un festival à faire au moins une fois dans sa vie, tellement c'est incroyable. Après le festival, direction Faro pour rendre la voiture et prendre l'avion pour revenir en France. Mais avant, on s'est arrêté une dernière fois à la plage de Lagos pour profiter des beaux paysages et des belles plages du Portugal. On a eu une belle surprise dans l'avion. Le vol était rempli de festivaliers et les membres de l'équipage nous ont mis un son de Burna Boy pour nous remettre dans l'ambiance une dernière fois avant le décollage. Je suis enfin de retour chez moi, à la maison. J'ai retrouvé la famille, j'ai retrouvé Bibi et les enfants. Hier, j'étais trop contente. J'ai pas pu vous filmer l'arrivée et tout ça, ouais. Voilà, je me suis reposée aujourd'hui. J'étais vraiment fatiguée. Je me suis même pas beaucoup connectée parce que j'ai fait que dormir pour récupérer. Et là, j'ai même pas complètement récupéré, mais bon. Donc voilà, c'est la fin de ce vlog. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des questions, mettez-les également en commentaire et je vous répondrai. Et n'oubliez pas de vous abonner également à mon compte Instagram et mes autres réseaux sociaux, TikTok et tout ça. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous! I'm going to go to the floor.